choses que vous ignoriez sur la Mauritanie. Dans cette vidéo, nous allons jeter un coup d'œil sur la nation appelée l'œil de l'Afrique, la Mauritanie. La République islamique de Mauritanie est un pays du nord-ouest de l'Afrique. Il est le 11e plus grand État souverain d'Afrique et est bordé par l'océan Atlantique à l'ouest, le Sahara occidental au nord et au nord-ouest, l'Algérie au nord-est, le Mali à l'est et au sud-est, et le Sénégal au sud-ouest. Le pays tire son nom de l'ancien royaume berbère de Mauritanie, qui a existé du 3e siècle avant Jésus-Christ au 7e siècle après Jésus-Christ dans l'actuel Maroc et l'Algérie occidentale. La capitale et plus grande ville est Nouakchott, située sur la côte atlantique qui abrite environ un tiers des 4,4 millions d'habitants du pays. Vous saviez peut-être tout cela sur la Mauritanie, mais il y a encore des aspects de l'œil de l'Afrique dont vous n'aviez aucune idée. C'est pourquoi dans cette vidéo, nous allons vous apporter 10 choses que vous ne saviez probablement pas sur la Mauritanie. Pour d'autres vidéos comme le top 10 des choses que vous ignoriez sur la Mauritanie, regardez jusqu'à la fin et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à notre chaîne pour une semaine de bonne chance. Sans plus attendre, voici 10 choses que vous ignoriez sur la Mauritanie. Numéro 1. Plus de 40% des Mauritaniens vivent en dessous du seuil de pauvreté. Malgré une abondance de ressources naturelles telles que le minerai de fer, le poisson et le pétrole, la Mauritanie reste pauvre. L'économie du pays est basée sur l'agriculture et l'élevage, et les principales industries sont basées sur ces ressources naturelles, en particulier le minerai de fer, le pétrole et la pêche. Après avoir obtenu son indépendance de la France en 1960, la Mauritanie a connu des coups d'État récurrents et des périodes de régime militaire qui ont laissé le pays au plus bas, le plus récent étant celui du général Mohamed Ould Abdel Aziz en 2008. La Mauritanie dépend fortement des exportations de minerais de fer, de la pêche et des puits de pétrole offshore pour son progrès économique. En plus du minerai de fer, les autres ressources naturelles de la Mauritanie comprennent l'or, le grips, le phosphate, les diamants, le cuivre et le pétrole. Mais le climat politique, combiné à d'autres facteurs que nous examinerons au fur et à mesure de la progression dans cette vidéo, a laissé le pays à genoux, de sorte que la plupart de ses citoyens vivent encore avec moins d'un dollar par jour. Numéro 2. Le système éducatif de la Mauritanie est dérivé du système éducatif français. L'influence coloniale de la France se manifeste dans le système éducatif mauritanien qui suit le système francophone. L'école primaire s'étend sur 6 ans et commence à l'âge de 6 ans, suivi de 7 ans d'enseignement secondaire qui aboutit au diplôme d'enseignement secondaire, le diplôme du baccalauréat de l'enseignement secondaire, BAC. L'université de Nouakchott en Mauritanie offre des programmes de 2 ans pour l'obtention du diplôme d'études universitaires générales, aussi appelé DUC, suivi de 2 années supplémentaires pour la maîtrise. Depuis 1999, la première année de l'école primaire est entièrement enseignée en arabe moderne standard. Le français est introduit en 2e année et est utilisé pour les cours scientifiques, et depuis peu, l'anglais est de plus en plus utilisé. La Mauritanie possède des universités telles que l'université de Nouakchott et d'autres établissements d'enseignement supérieur, mais la majorité des Mauritaniens très instruits ont étudié à l'étranger. Numéro 3. La Mauritanie punit l'athéisme par la mort. La Mauritanie est presque à 100% musulmane, la plupart des habitants adhérant à la confession sunnite. Les ordres soufis, la Tijaniya et la Kadiriya ont une grande influence non seulement dans le pays mais aussi au Maroc, en Algérie, au Sénégal et dans d'autres pays voisins. Le diocèse catholique romain de Nouakchott, fondé en 1965, dessert les 4500 catholiques de Mauritanie qui sont pour la plupart des résidents étrangers d'Afrique de l'Ouest et d'Europe. La liberté de religion et de croyance est extrêmement limitée en Mauritanie, qui est l'un des 13 pays du monde où l'athéisme est puni de mort. Le 27 avril 2018, l'Assemblée nationale a adopté une loi qui rend la peine de mort obligatoire pour toute personne condamnée pour discours blasphématoires et actes jugés sacrilèges. La nouvelle loi supprime la possibilité prévue à l'article 306 de substituer des peines de prison à la peine de mort pour certains crimes liés à l'apostasie et si le délinquant se répand rapidement. La loi prévoit également une peine pouvant aller jusqu'à 2 ans de prison et une amende de plus de 10 000 dollars pour atteinte à la pudeur et aux valeurs islamiques et pour violation des interdictions d'Allah ou assistance à leur violation. 4.
La Mauritanie est l'un des derniers pays à avoir aboli l'esclavage. De nombreuses nations africaines se sont fait un devoir d'abolir l'esclavage dans leurs différentes nations, après avoir vu les graves conséquences qu'il a entraînées pour les nations pendant la période de la traite des esclaves, ainsi que le fait de posséder des esclaves dans leurs différentes nations. Alors que de nombreuses nations s'empressaient d'interdire cet acte barbare, la Mauritanie a abordé la situation dans les coulisses. Elle a adopté une loi en 1981 pour abolir l'esclavage, mais ensuite, le suivi de la mise en œuvre de cette loi était une théorie farfelue pour les bureaux des forces de l'ordre mauritaniennes, comme vous le découvrirez en temps voulu dans cette vidéo. Numéro 5. La Mauritanie, c'est surtout du désert. Environ 90% des terres de la Mauritanie se trouvent dans le Sahara. Par conséquent, la population est concentrée dans le sud où les précipitations sont légèrement plus importantes. En raison d'une sécheresse prolongée et sévère, le désert s'est étendu depuis le milieu des années 60. Les plateaux descendent progressivement vers le nord-est jusqu'à El Djouf, au quartier vide, une vaste région des grandes dunes de sable qui se fond dans le désert du Sahara. À l'ouest, entre l'océan et les plateaux, s'alternent des zones de plaines argileuses et des dunes de sable dont certaines se déplacent d'un endroit à l'autre, progressivement déplacées par les vents violents. Les dunes augmentent généralement en taille et en mobilité vers le nord. Des ceintures de végétation naturelle correspondant au régime des pluies s'étendent d'est en ouest et vont des traces de forêts tropicales le long du fleuve Sénégal, aux broussailles et à la savane au sud-est. Mais seul le désert de sable se trouve au centre et au nord du pays. Numéro 6. L'économie est lente malgré les potentiels. Bien qu'elle soit riche en ressources naturelles, la Mauritanie a un faible PIB. La majorité de la population dépend encore de l'agriculture et de l'élevage pour sa subsistance, même si la plupart des nomades et de nombreux agriculteurs de subsistance ont été contraints de s'installer dans les villes à cause de la sécheresse récurrente des années 1970 et 1980. La Mauritanie possède des vastes gisements de minerais de fer, qui représente près de 50% des exportations totales. Des sociétés d'extraction d'or et de cuivre ouvrent des mines dans l'intérieur du pays. Ces dernières années, la sécheresse et la mauvaise gestion économique ont entraîné une accumulation de la dette extérieure. Du pétrole a été découvert en Mauritanie en 2001, dans le camp offshore de Chinguetti, et bien qu'il devrait avoir un potentiel significatif pour l'amélioration de l'économie mauritanienne, son influence globale est difficile à prévoir. La Mauritanie a été décrite comme une nation désertique désespérément pauvre, à cheval sur les mondes arabes et africains, et qui est le récent producteur de pétrole africain bien que de petite taille. Il pourrait y avoir des réserves de pétrole supplémentaires à l'intérieur des terres dans le bassin de Taoundéni, bien que l'environnement difficile rende l'extraction coûteuse. Numéro 7. Les violations des droits de l'homme sont monnaie courante en Mauritanie. Le gouvernement Abdallahi était largement perçu comme corrompu et son accès aux informations gouvernementales était restreint. Le sexisme, le racisme, les mutilations génitales féminines, le travail des enfants, la traite des êtres humains et la marginalisation politique des groupes humains ethniques essentiellement basés dans le sud du pays sont restés des problèmes. Amnesty International a accusé de pratiquer la torture coordonnée contre les détenus criminels et politiques. Amnesty a accusé le système judiciaire mauritanien, avant et après le coup d'État de 2008, de fonctionner au mépris total de la procédure légale, du procès équitable ou de l'emprisonnement humain. Le blogueur mauritanien Mohamed Cheikh Oul Khatir a été condamné à mort après avoir écrit un article critiquant la religion et le système des castes en Mauritanie. Le 29 juillet 2019, le gouvernement a finalement libéré Mohamed Khatir après une longue campagne menée par des groupes de défense des droits de l'homme qui a quitté la Mauritanie pour ne plus jamais y revenir et vit désormais en Europe. Numéro 8. L'esclavage moderne existe en Mauritanie. Bien qu'en 1981, la Mauritanie ait rendu l'esclavage illégal, étant le dernier pays au monde à le faire comme nous l'avons vu plus haut, l'esclavage est loin d'être une pratique inexistante en Mauritanie. Des dizaines de milliers de personnes, pour la plupart issues de la minorité aratine ou de groupes afro-mauritaniens, vivent encore en tant que travailleurs asservis, domestiques ou enfants mariés.
les groupes de défense des droits locaux estiment que jusqu'à 20% de la population est réduite en esclavage. Un Aratine sur deux étant forcé de travailler dans des fermes ou des maisons sans possibilité de liberté, d'éducation ou de rémunération. L'esclavage a une longue histoire dans ce pays du désert nord-africain. Pendant des siècles, les Maures arabophones ont fait des raids dans des villages africains, ce qui a entraîné un système de caste rigide qui existe encore aujourd'hui. Les habitants à la peau sombre étant redevables à leur maître à la peau claire. Le statut d'esclavage est transmis de la mère à l'enfant et les militants anti-esclavagistes sont régulièrement torturés et détenus. Le rapport 2010 du département d'État américain sur les droits de l'homme indique que les efforts du gouvernement n'ont pas été suffisants pour faire appliquer la loi anti-esclavagiste. Aucune affaire n'a été poursuivie avec succès en vertu de la loi anti-esclavagiste, bien que l'esclavage existe de facto en Mauritanie, déclare le rapport du département d'État américain sur les droits de l'homme en 2010. En 2012, un ministre du gouvernement a déclaré que l'esclavage n'existe plus en Mauritanie. Cependant, selon l'indice mondial de l'esclavage de la fondation Walk Free, on estime à 90 000 le nombre de personnes réduites en esclavage en Mauritanie en 2018, soit environ 2% de la population. Numéro 9. Des défis alimentaires existent en Mauritanie. La Mauritanie est un pays aride en proie à de graves sécheresses constantes. Bien qu'elle ait fait des progrès significatifs dans la réduction de la pauvreté et de la malnutrition chronique, sa population en croissance rapide est toujours confrontée à des défis majeurs, notamment l'insécurité alimentaire, la malnutrition et la dégradation des terres. Environ un quart de la population vit dans la pauvreté et la malnutrition reste très répandue. Avec 90% de la population agricole basée sur la subsistance, un grand nombre de personnes sont vulnérables aux effets d'événements tels que la sécheresse, les inondations et les invasions de criquets qui sont tous aggravés par l'érosion rapide des sols et la désertification due au changement climatique. Une série de sécheresses majeures en 2011, 2014 et 2017 ont affaibli les communautés et endommagé les écosystèmes, obligeant beaucoup de personnes à faire face en consommant moins et des aliments de moins bonne qualité et en vendant le bétail à un prix inférieur à sa valeur marchande. Le Programme alimentaire mondial travaille en Mauritanie depuis 1964 fournissant d'une aide d'urgence, un soutien aux moyens de subsistance et des services aériens humanitaires. Aujourd'hui, le Programme alimentaire mondial s'attaque aux causes de la vulnérabilité tout en collaborant avec le gouvernement pour atteindre ses objectifs de réduction de l'insécurité alimentaire à moins de 5% et de la réduction de la malnutrition aiguë globale à moins de 2% d'ici 2030. Numéro 10. La Mauritanie est l'un des cimetières mondiaux de navires. La baie de Nouadhibou en Mauritanie cache l'un des plus grands cimetières de navires au monde. Plus de 3000 épaves de toutes les nations y sont échouées en permanence. Ces navires ont fait face à leur dôme sur ces côtes en raison du climat turbulent et ne sont pas partis en raison de la nature de Nouadhibou. Par conséquent, si vous êtes en Afrique et que vous souhaitez découvrir le lieu de repos de certains des navires à la retraite du monde entier, il vous suffit de vous diriger vers la baie de Nouadhibou et vous en garderez un souvenir inoubliable. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez apprécié ce que nous avons découvert, veuillez lui donner un pouce en l'air et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la sonnerie de notification afin d'être averti chaque fois que nous publierons de nouvelles vidéos.